Bon, fait que dans le fond, aujourd'hui, je m'en viens m'occuper de mon hood, OK? Parce que j'ai été au meet en revenant de l'Ontario. Puis là, ben, en tout cas, il y a quelqu'un qui a pris une photo, puis je me suis aperçu que mon hood était dégueulasse. T'sais, je savais qu'il était pas sa coche, mais quand j'ai vu la photo, j'ai fait, OK, il est vraiment dégueulasse. Puis là, ben, j'hésitais entre juste remettre une couche de clear dessus ou peut-être le peinturer bleu. Fait que. Et on voit-tu la texture? On voit pas tant la texture, mais il est rough, là. Il est vraiment rough, pour vrai. Fait que je vais le sabler, puis on reviendra après. Train droite comme ça. Il est tout sablé. Ouais, en tout cas, il fait plus le même son. Il fait plus le même son. Puis là, j'ai un autre problème aussi, là, qui est dans ce coin-là, là. C'est louche, là, j'avais une terre arable pour le retenir, là. Mais c'est parce que dans le fond, quand j'ai installé mon devant de Sylvia, j'avais remarqué que dans le fond, dans le coin juste ici, lui je pense que la vis, j'avais pas de vis qui rentrait là, puis celle-là ici, je l'ai vissée, puis genre c'est comme si elle tourne dans le beurre, dans le fond. Je peux pas la serrer parce qu'elle vire dans le beurre, mais je suis pas capable de l'enlever. Fait que tu sais, ça tient, mais c'est vraiment louche. Fait que là. Au début, je savais pas quoi faire, parce que ça fait genre 2 ans de ça. Puis là, ma soeur, que j'ai touché un peu plus à du fibre de verre, ce que j'ai le goût de faire, c'est percer, mettons un trou dans mon hood, mettre une note, puis bourrer la note comme autour de résine de fibre de verre, comme ça va être comme pogné dans le hood, je vais pouvoir visser dans ma note. Fait que ça pourrait être une solution. Faudrait que je fasse quelque chose du genre, puis en profiter, dans le fond, là, je vais enlever mon hood. Yo, je comprends rien, man, parce que, tu sais, j'ai pris, j'avais une vis de chaque côté, ok? Fait que là, en tout cas, ça en fait deux total. Fait que, là, j'ai vissé les deux vis, comme là, ici, je viens de les visser. Puis, tu sais, si je regarde, là, hop, je peux, tu sais, là, je veux pas forcer trop fort non plus, mais, tu sais, ils vissent jusqu'au bout. Puis, en tout cas, fait que là, au début, en fait, je les avais vissés là, tu sais, ils ont vissé jusqu'au bout, j'étais là, ok, fait que c'est l'autre côté le problème. J'arrive, là, je me dis, pis ils vissent jusqu'au bout, eux autres, puis là, je réfléchis, puis je me dis, bah, c'est du côté, mettons, helper, du côté JDM, que j'avais une tire rap, côté JDM, techniquement, c'est celle-là. Mais je sais pas pourquoi je disais que la vis, elle rentrait pas, mais dans le fond, la vis, elle rentre, puis ça fait des mois, ça doit faire, depuis que je l'ai installé, dans le fond, mon hood, là, que. J'ai une taille rap dans le coin parce que je pensais que ma vis était strippée, mais dans le fond, ma vis n'était pas strippée. Donc là, ben, je suis con, même, d'avoir runné ça tout ce temps-là, mais en même temps, je suis content, ben, j'ai pas besoin de délire avec la merde. Fait que ça, c'est chill. Puis, c'est ça. L'autre histoire aussi que j'ai le goût de faire, dans le fond, braquette de hood, on voit que ça l'ouvre jusqu'ici, à peu près. Mais, ce qu'on peut faire, c'est si on regarde comme faut dedans. Tu sais, il y a genre un bump ici, puis un bump là. Puis les deux s'accrochent ensemble. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est d'en sabler un des deux. Moi, je pense que je vais sabler celui qui est là. En fait, je l'ai déjà fait sur l'autre. Ah, j'ai pas goût d'aller voir sur l'autre. Fait qu'au pire, là, ce que tu fais, c'est que tu le tiens. Me semblait que ça passait quand tu le tiens. En fond, c'est bien simple. J'ai buffé. Buffer ici de la petite bosse qu'il y avait. Puis, that's it. Fait qu'on va faire la même chose avec l'autre côté. Ça fait quand même un bout que j'ai fait ce 240 là, mais je suis pas mal sûr qu'il y avait un lousse ici. Fait que ça faisait que quand je l'ouvrais, genre oui, il bloquait, mais j'avais pu. Je l'avais forcé en tout cas, puis là, ben, c'était quand même assez facile à faire à partir de ce moment-là. Mais là, celle-là, ça marche pas. Fait qu'est-ce que je vais faire? Ce que j'ai fait avec l'autre bord pour mon 240 bleu. Je m'en viens mettre la lame, pouf, direct ici. Fait que, tu sais, je vais rentrer, je vais juste couper la partie qu'on voit qui dépasse, qui n'a pas rapport. Direct ça ici, là. Oups, tu coupes ça. Après ça te donne un certain lousse. Puis là, justement, tu peux ouvrir la braquette au complet. Puis une fois qu'il te fait tout complet, tu as de l'accès. Dans le fond, la braquette, elle va comme ça. Puis là, quand tu l'ouvres, boum. C'est ça. Quand tu peux l'ouvrir au complet, c'est simple. Après ça, justement, quand tu es là, tu peux le buffer. Mais là, celle-là, j'ai fait une coupe parfaite, man. Fait que j'ai pas besoin de rien buffer, ça va être excellent comme ça. Peut-être mettre un peu de peinture pour pas que ça rouille, puis merci, bonsoir. La dernière fois que j'ai fait de la peinture, je l'avais bien trop faite, puis je l'ai laissé sécher dedans. C'est malade, puis là, ben, je viens de le briser. Ah, c'est ça qui est ça.
C'est fou, man! On dirait genre une puck de hockey en version comme un peu plus molle. Aïe aïe! Oh wow! Gros, c'est satisfaisant, man! Wow. C'est débile! Wow! Va-t-il être beau, cette route-là? Va-t-il être beau? Yo! Je me sens enfermé ici avec mon hood. Ça, c'est fucking haut, man. Genre. En tout cas, ça, c'est un peu de la merde à faire, une paintball de même, là. Surtout que ça s'est fait un peu de crush, mais bon. J'ai amené à peu près tout ce que j'ai de besoin. Fait que là, je l'ai lavé. Il faut que je plug mon gun. Ben, en fait, il faut que je fasse mon mélange. Je plug mon gun. Je le shoot. J'attends un petit bout. Puis je le re-shoot. Fait que c'est ça qui est ça. On va commencer ça. Paint boots. Yo, par où je rentre déjà? Ah, il est par là. Yeah. L'heure de réparer le shit dans mon bag. Yo! J'ai acheté ça en attendant de réparer ma machine à tailleur. Fait que. J'ai une machine à tailleur. Franchement, je ne vous l'ai jamais dit, mais j'ai une machine à tailleur depuis 2-3 mois, mais elle est brisée, puis je ne l'ai jamais réparée. Fait que. Je sais pas si ça va marcher mon affaire. J'ai pris ça, tu sais, j'ai fait le trou, tout. Puis après ça, j'ai pris un cassin de même, je l'ai inséré là-dedans. J'ai mis un petit peu de colle dessus. Là, j'étais arrivé pour le rentrer, puis hey, c'était sauvage, j'ai genre fait paf, man, je l'ai rentré quasiment au complet, là, on voit juste un petit mini bout qui dépasse, là, je pense que je l'ai comme un peu trop rentré, là, mais regarde, rendu là, ça a l'air de tenir, fait que... On va le couper, puis je vais laisser ça sécher, puis on verra ce qui se passe avec ça, là, dans le pire des cas, je reviendrai demain, là, parce qu'en tout cas, je vais donner une autre couche de clear sur mon hood, puis je vais revenir demain, puis demain, je vais checker voir si ça fuit, là, s'il n'y a pas de fuite, tant mieux, s'il y a une fuite, je recommencerai, c'est pas grave. Bon, fait que dans le fond, ça c'est mes braquettes modifiées style Honda. J'ai shooté une petite couche de primer, le real quick. Puis j'ai remis ça ici avec l'anti-seize, là, parce que chaque bolt qui se défait sur mes chars à cette heure, là, si elle se défait, tant mieux. Je mets de l'anti-seize, je la remets là, comme ça elle va tout le temps se défaire. Si elle se casse, ben, si elle casse, tant pis. Fait que c'est pas mal ça, je pense qu'on va remettre le reste à demain. Yo, je viens de gonfler mon tailleur, puis là, tu sais, je gonflais, puis ça gonflait pas vite, parce qu'en tout cas, j'avais descendu la pression à cause que je peinturais. Fait que là, j'étais allé remonter la pression, mais tu sais, je suis censé shooter à genre 30 PSI à peu près, genre. Sauf que là, j'ai regardé, puis là, j'étais comme plus autour de comme 40 un peu en haut, fait que je me suis dit, bah, je vais le redescendre. J'ai redescendu, mais j'ai pas joué avec. Fait que en tout cas, tu sais, l'important, j'étais en bas de 25 PSI, ça veut dire que j'ai shooté mon hood à moins de 25 PSI, puis c'est peut-être pour ça qu'il sort comme de la merde. Il a pas sorti la pire affaire, mais il a pas sorti la meilleure affaire non plus. Fait que c'est peut-être à cause que j'aurais dû monter la pression un peu plus, là. En tout cas, j'ai été con, j'ai pas vérifié la pression comme du monde, là. Fait qu'en tout cas, j'ai gonflé mon tailleur, puis mon route doit être à chier. Bon, finalement, il y a vraiment un problème avec celle-là. Bon, ça y est. Ça tourne, ça finit plus. Fait qu'il y a vraiment un problème avec ça. Mais j'ai mis une boat site qui n'avait pas dans le temps. Je l'ai mis deux l'autre bord au lieu de rien qu'une. Parce que dans le temps, là, quand je l'ai installé, justement, je sais pas pourquoi j'avais mis avec une boat. Ben, en fait, j'avais, tu sais, là, j'ai des boats neuves. À cette heure, là, je commence à être quand même bien équipé. Là, j'ai des boats. Tu sais, des boats, mettons, peut-être 10 mm, 12 mm, 14 mm. Avec les notes, puis toute la patente, là, j'ai tout ça en stock qui est au garage à cette heure. Fait que. Bon, et voilà. C'est fait. Fait que mon hood, il est mieux qu'avant. Wow. Puis j'ai réinstallé mes Fat Fox en arrière. Puis je viens de voir que ça c'était vraiment à chier. J'avais oublié que j'avais oublié ça. On voit encore un peu les coups de canette par exemple. C'est vrai qu'on les voit encore un peu. Mais c'est parce que je l'ai sablé. Puis je voulais pas genre aller trop profond parce que c'est juste un haut en fibre avec une pellicule de carbone par-dessus. Sauf que là je voulais pas enlever genre, tu sais, je voulais pas abîmer la pellicule de carbone. Fait que je voulais pas aller jusqu'au fond. Fait que c'est ça qui est ça, en tout cas. Fait que là, on voit encore des espèces de coups de canette, mais moi, je l'ai peinturé au gun, puis tout, là.
Fait que ouais. Je m'en vais au meet. Ben, à un meet. Puis j'imagine que le prochain vidéo, je sais pas trop. Fait que en attendant, ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!